Bonjour, ici c'est Juni et je te souhaite la bienvenue dans cette méditation d'équinoxe. On va s'aligner ensemble à l'énergie cyclique, régénératrice et nourrissante du printemps. Les deux mains flottent en l'air et on commence à secouer les poignets. Secouer des bras très très lâches, secouer les poignets, sentir que ça remonte dans les épaules. La mâchoire se détend. Peut-être qu'on hoche la tête avec des oui, des non. On peut faire mine de bâiller. Puis entrelacer les doigts au-dessus de la tête, s'étirer de tout son long, inspirer et expirer, relâcher. Les bras ouverts en V, paume de main vers le ciel si on est allongé, ou paume de main vers le ciel posée sur les cuisses si on est assis. Expire, vide les poumons. Inspire. Retiens le souffle. Et relâche. Inspire. Retiens le souffle. Et relâche. Maintenant, inspire, contracte les poings, les bras, tous les muscles que tu peux identifier. Retiens, serre légèrement et relâche avec un soupir. Encore deux fois comme ça. Poumons pleins, contracte légèrement tous les muscles de ton corps. Et relâche. Une dernière fois, monte les épaules vers les oreilles et relâche tout d'un soupir. Observe ton état. On va maintenant chanter les voyelles. L'invitation est que tu écoutes le son que tu produis et que tu ressentes la vibration de ce son jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. Signe de détente dans le corps, de circulation libre de l'énergie. On chantera le A, E, E, I, U, O, E, O, Aum. Suis-moi, inspire. Ooh.
Ensemble, on va chanter toutes les voyelles les unes après les autres et finir en fermant la bouche. Mmh. Allons-y, tu peux me suivre à quelques millisecondes de différence. Alors que ton corps physique est ici, relaxé, vois ton corps d'énergie grandir, s'expanser vers l'arrière, vers l'avant, vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas et vers le centre. Suis cette expansion. Laisse ta présence grandir, se déloger de la tête, monter, prendre de la distance, laisse un débranchement se faire de l'identification avec le personnage. Qu'est-ce qui est si tu te dis il n'y a plus personne? Continue ce recul. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a que présence. À partir de ce point de vue élargi, observe ton corps physique assis ou allongé au loin et reçois l'information de ce qui bloque et crée de la résistance dans le quotidien. N'active pas le mental, simplement écoute ce que ton subconscient te présente. Ça peut être un souvenir, une image, une voix, un son. Laisse venir. Vois apparaître à tes côtés ou sens apparaître à tes côtés la présence de l'amour. Cet amour peut venir d'un être cher, d'un enseignant, un mentor ou de la source elle-même. Sens cet amour t'envelopper, t'entourer, t'accompagner ici et maintenant.
cet amour, cette énergie rayonne et se prolonge en direction du petit toi, du corps physique, et sature cette part de toi d'un courage, un courage qui dissout tout ce qui n'est pas amour et libre circulation de la vie. Un état de légèreté s'installe. Tout est possible. Tout n'est que jeu de lumière. Ta présence continue sa croissance. Sens-toi t'élargir encore, t'expanser, te disperser dans toutes les directions. Le petit toi, le petit corps, n'est plus qu'un minuscule point au milieu d'un nuage de couleurs. Pour que ce point soit lumineux et synchronisé harmonieusement à la danse de la vie, j'invite sa joie et ses talents à venir au premier plan. Qu'est-ce qui t'illumine de joie? Ne réfléchis pas la réponse. Laisse venir de la conscience un message, une vision. Simplement ouvre et écoute. Qu'est-ce qui éveille ta joie? Et si rien ne te vient, souviens-toi de la dernière fois, remonte aussi loin qu'il le faut pour te souvenir d'un état de joie spontanée. Si là encore, rien ne te vient, où est-ce que tu vois de la joie chez les autres? Où est-ce que tu ressens de l'envie? Cette envie te montre les ressources en toi qui ne sont pas encore exploitées. Sans les avoir, tu n'aurais pas pu les reconnaître chez l'autre. Voilà une piste à explorer. Avec toutes ces données dans ton champ de conscience, commence à faire ton chemin du retour, te rapprocher
à mi-chemin de ton petit corps physique. Une journée idéale va se dérouler sous tes yeux, ou bien en ressenti. À quoi ressemble le réveil? La matinée. Pour quelle œuvre est-ce que ton énergie se dévoue? Comment est-ce que tu vis cette matinée dans la joie? Le soleil arrive à son zénith. Où es-tu? Avec qui? Et on poursuit dans l'après-midi. Une après-midi idéale. Le soleil s'approche de l'horizon maintenant. À quoi ressemble une soirée idéale à tes yeux? Quelle sensation t'habite? Avec qui, avec quoi? Dans quel environnement? La nuit tombe et tu vas te glisser sous les draps. Un sentiment d'entièreté, de sérénité, de complétude te remplit et déborde, saturant tout l'espace autour de toi de cette énergie. Habité de cette énergie fertile et créatrice, je demande à ta conscience, quelle première action peux-tu mettre en place dès la fin de cette méditation pour faire un tout premier pas dans la direction de cette journée idéale? Une action. Laisse venir le message de ta conscience. Écoute. J'invite maintenant la présence à tes côtés de toutes les énergies déjà en amour, déjà libérées, ascensionnées. Ça peut être des mentors, des personnes de ta famille, des défunts, des sources d'inspiration pour toi, la source
toute figure qui vibre l'énergie la plus haute. Ces énergies irradient si puissamment que tout devient blanc. Tout est uni dans un blanc immaculé. Ces êtres, ton être, l'être ne fait plus qu'un. Tu es maintenant habité par ta plus haute vibration, enfile ton petit corps comme un costume pour aller jouer dans une pièce de théâtre appelée vie. Amuse-toi de ces drames, danse l'expansion et la fertilité de cette période de printemps, sachant que l'énergie de l'amour et de la source est avec toi, dans ton cœur, et t'accompagne à chaque respiration, à chaque moment. Ressens ton cœur battre. Ressens ce lotus d'amour dans ton cœur s'ouvrir, te témoigner sa présence. Et dans cet état, commence à onduler librement, sans réflexion. Les doigts commencent à tortiller, les orteils aussi. Émerge doucement, en laissant les paupières papillonner s'ouvrir. Re-bienvenue dans ton rêve éveillé, dans ta pièce de théâtre. Amuse-toi de cette palette de couleurs du printemps et laisse la boussole de ta joie te guider, instant par instant. C'était un plaisir de passer ce moment ensemble. Namasté et à bientôt dans la prochaine vidéo.